J'ai pas de mots exacts pour définir ce que représente le jeu vidéo dans ma vie puisqu'elle est présente partout. L'aventure a commencé en 2004. Ça commence par jouer à un jeu vidéo, je pense. C'est très difficile d'être un développeur de jeux vidéo dans les pays du tiers-monde, surtout à Madagascar. Mais en tout cas, c'est un pari. C'est un pari.